chocolat. Aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, 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 aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. Aïe, 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 aïe. Pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babas. Dans la boulangerie en fête, un soir on est marié. De petits pains au chocolat. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Il suffit de si peu, d'une simple paire de lunettes pour approcher deux êtres et pour qu'ils soient heureux.